cosa caro sta delle manica ci calo qui un dia me tu cre già un ga caro me la e te va a ricero tanto che pancero tanto che pancero tanto che pancero tanto che pancero. Quand j'étais revenu d'Inde, j'étais frustré parce que j'étais allé dans un orphelinat, j'avais pas apporté de chansons, j'avais apporté de l'argent, mais l'argent était... Voilà, j'étais un bénévole qui avait apporté de l'argent et qui était revenu avec des photos. Et puis quand je parlais des enfants qui vivaient dans la campagne, qui avaient la grosse banane, qui avaient vraiment une vie très simple, mais qui étaient très très généreux. Et quand je revenais ici, les gens étaient là, oh, voilà, ça doit être dur, la pauvreté, la misère, les moustiques. Je me disais, oui, c'est dur. En même temps, ils ont l'air plus heureux que nous, quoi. Et je me suis dit, tiens, le prochain coup, déjà, j'étais frustré de ne pas pouvoir avoir le temps d'aller au Népal. Donc je me suis dit, prochain coup, j'irai au Népal, je ne prendrai pas l'avion, je vais y aller par les terres, je vais aller dans un orphelinat, mais j'apporterai quelque chose que je pourrais échanger contre quelque autre chose que je pourrais ramener, et pas ramener que des photos. Donc voilà, l'idée des chansons est arrivée. Et donc... Faut juste que dans 3 jours, j'arrive en Moselle. Là-bas, il y a des enfants qui attendent les chansons. Enfin, celles que j'ai récoltées. Et puis, il y en a aussi qui m'attendent en Allemagne, Hongrie, Roumanie et Bulgarie, grâce aux jumelages. Et donc voilà, on a écrit. Ensuite, on a écrit les déplacements. Ensuite, est arrivé l'ami Thomas Ricou, technicien son, qui a amené des sons dans le spectacle. Donc voilà, c'est super de pouvoir pour moi de mettre le pouce au bord de la route à Paris, puis d'entendre le mur, dans toutes les voitures qui passent. Là. Ça me remet vraiment dans le voyage. Faut dire que la vue est pas mal. Hein. Ah, je resterai bien ici un petit peu plus longtemps. Mais là-bas, dans le fond, il y a une maison où on attend ma récolte de chansons. Oh, Chetana Children Center. Le voilà. Anecdote, des rencontres comme Ahmed qui m'a hébergé pendant 6 jours à Istanbul alors que je lui ai juste demandé la route pour trouver un hôtel, quoi. Donc voilà. Il y en a qui parlent bulgare ici. Akosishta sishta siflis nisratse. Akosishta siflis naish. Ako isgash naish graish. Akosishta sishta siflis nisratse. Akosishta sishta siflop niskaka. Alors, j'ai d'autres spectacles qui tournent aussi, pas mal, hein, voire même plus que celui-là, le voyage de Tunga que j'ai joué l'autre jour, et puis le spectacle Enchanté, avec Jacques Faucon. On est sur la création lumière, là, en ce moment. On va le jouer à la bibliothèque de Laval bientôt. Et du coup, c'est un spectacle qui continue d'évoluer, et à chaque fois qu'on le joue, ça se passe super bien. Les plus beaux projets sont ceux les plus près du cœur. Continue dans le voyage de la vie, ta destination t'attend. Chante que par cello, voyage au-delà de la lune. Parce que nous n'avons pas de l'église.